Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié d'un nouvel épisode. Un petit like sera aussi très apprécié. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que esthétiquement, ce dernier modèle T6.1 a une sacrée gueule et une personnalité aussi. Je trouve qu'il distingue pas mal des autres véhicules de même catégorie. Ouais, en fait, on a l'impression que le spectre du T1 mythique des années 70 plane encore au-dessus de ce T6. Alors, quelques détails pour refléter un peu ce que je viens de dire. D'abord, sur la version édition, on a de très belles jantes noires. Ce sont les modèles Springfield Volkswagen en 18 pouces, équipés d'origine d'écrou anti-vol. Ça, c'est plutôt bien vu. Pour ceux qui ont déjà pratiqué le noir des jantes, je trouve que c'est plutôt quelque chose de facile à réparer quand on a un peu touché le bord d'un trottoir par rapport à des jantes à vue pur jus. Ensuite, les pare-chocs et les poignées de porte peints couleur carrosserie, ça c'est plutôt joli aussi. Certes, pour les pare-chocs un peu plus fragiles que les pare-chocs noirs en plastique non peint, mais il faut être un peu prudent et ça se passe plutôt bien normalement. On a les rétros et le toit noir, ça je trouve que ça ajoute une petite touche assez classe au véhicule. Au niveau de l'avant, j'aime bien aussi la calandre avec ce jonc chromé, le gros logo VW et surtout l'intégration des anti-brouillards de façon assez discrète dans le bandeau noir qu'on voit ici. Ça finit plutôt bien l'ensemble. Donc on a ici, alors c'est une option, un crochet d'attelage démontable et verrouillable à l'aide d'une petite clé. Ça c'est très utile pour ce qui nous concerne en tout cas. C'est pas beau ça? Bon, alors les impressions au volant de ce Volkswagen Transporter T6.1, c'est une voiture en fait. Hein. Je pense qu'on peut assez bien résumer la situation de cette façon. C'est une conduite très très souple avec une boîte de vitesse DSG, donc qui est quelque chose qui est assez connu quand même dans le groupe VAG. Une boîte de vitesse très très agréable. On perçoit pas vraiment le passage d'une vitesse à l'autre. Véhicule très souple à conduire. Bien puissant aussi, c'est-à-dire que quand on appuie un peu fort, on sent tout de suite qu'il y a l'énergie sous le pied. Et si vous avez besoin de dépasser, même compte tenu du volume et du poids du véhicule, il n'y a vraiment aucun problème. Deuxième chose que je trouve très très agréable, c'est l'environnement de conduite avec un poste de pilotage qui est lui aussi vraiment très typé automobile. En plus, j'ai l'option Virtual Cockpit qui est quelque chose d'assez connu maintenant sur Volkswagen et Audi et Seat aussi. Et Volkswagen a eu donc l'intelligence d'équiper ce fourgon qui est à la base un utilitaire quand même d'un intérieur vraiment typé automobile et ça c'est vraiment très agréable. Il y a un beau petit volant cuir multifonction aussi à partir duquel vous pouvez traiter un certain nombre d'informations. J'ai aussi le grand GPS, donc Discover Pro, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Un GPS tactile avec tout un tas de fonctionnalités qui sont possibles également. Voilà ce que je vois le matin quand je vais bosser. Et l'objectif, c'était pas de vous montrer la vue. Je vous fais un petit visuel du Virtual Cockpit en live. Bon, c'est plutôt quelque chose de très sympa visuellement et de très efficace aussi parce que c'est très facile à contrôler, à regarder. C'est très plaisant. We'll be right back.
la conduite, c'est vraiment un véhicule très très agréable qui se manipule, qui se conduit vraiment comme un gros monospace en fait. C'est vraiment très très typé automobile. Moi qui viens de l'univers du camping-car, le dernier qu'on a pu avoir c'était un fourgon globe-car Citroën Jumper, c'est-à-dire en fait c'est le même porteur que le Fiat Ducato, qui était pourtant un véhicule 165 chevaux. Bah, je me suis vite rendu compte que c'était toujours un véhicule utilitaire qui n'a strictement rien à voir au niveau conduite avec le Volkswagen Transporter que j'ai là. Je conduis pas comme ça moi. D'ailleurs, c'est un véhicule qui est en plus très silencieux. Il n'y a pas du tout de vibration. Si on ne sait pas que c'est un diesel, on ne peut pas faire la différence avec un moteur à essence à mon avis. Un véhicule très coupleux, donc qui reprend à tous les régimes. Au niveau de la boîte de vitesse, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que c'est une boîte automatique, hein, on est d'accord. Mais c'est aussi une boîte séquentielle avec laquelle il est possible de passer les vitesses manuellement. C'est-à-dire qu'on passe les vitesses au levier. Bon, il n'y a pas les palettes au volant, hein, on n'est pas non plus dans une Porsche. Mais il y a possibilité quand même de passer les vitesses manuellement sans débrayer. Ce qui est aussi très sympa, notamment en montagne. S'il n'y a pas assez de frein moteur dans les descentes, par exemple, on peut gérer les choses manuellement et le véhicule ne passera pas le rapport supérieur ou ne descendra pas le rapport inférieur si vous ne l'avez pas décidé, quoi. Donc ça, je trouve que c'est aussi un vrai plus. Et bon, du reste, on va pas faire l'apologie des boîtes automatiques, mais j'ai du mal à comprendre que les boîtes manuelles existent encore, parce qu'avec l'agrément que ça procure, et puis il fut un temps où ça générait une consommation de carburant un peu supérieure à la boîte manuelle, mais maintenant, je pense que ça, c'est à oublier. J'avais essayé la version 150 chevaux, ce qui nous a fait opter pour le transporteur. J'avais déjà été impressionné par la fluidité et l'agrément de ce moteur 150 chevaux. Bon là, il se trouve qu'en occasion j'ai trouvé un 204 chevaux. J'aurais peut-être pas pris ce modèle là si je l'avais acheté neuf. Je serais peut-être resté sur un 150 parce que je pense que ça reste largement suffisant pour une utilisation courante et quotidienne. La seule petite réserve que j'émettrais, mais bon, enfin, je sais même pas si c'en est une en fait, parce que c'est lié au type du véhicule, c'est que c'est très confortable au niveau des suspensions et du coup ça bouge un peu. Enfin, peut-être que ça aurait été plus efficace avec une suspension un petit peu plus dure, quelque chose d'un petit peu plus sportif on va dire, parce que ça aurait très bien convenu aussi au moteur. Et donc voilà, mais sinon rien de particulier. Le châssis, au niveau de la tenue de route, il y a une précision de conduite qui est vraiment très bonne également. Restera à expérimenter le 4Motion. Le véhicule est équipé des 4 roues motrices. Pour quelle raison on a choisi un Volkswagen 4Motion? C'est assez simple, c'est encore une fois parce qu'on habite à la montagne. C'est vrai que lorsque le temps se refroidit, en plus on habite quand même à une certaine altitude, du coup quand il neige, bah, il peut y avoir une bonne petite couche sur la route. On dit toujours qu'à la montagne, dans les Alpes, les routes sont déneigées, etc. Alors dans 90% des cas, c'est vrai, mais si vous tombez à un moment où il vient de neiger, vous pouvez vous retrouver dans des situations quelquefois un petit peu compliquées. Depuis que j'habite ici, j'ai toujours pris des véhicules 4 roues motrices. Alors, j'ai jamais eu de 4x4 à proprement parler, au sens tout terrain du terme. Toyota Land Cruiser ou de gros véhicules comme ça. Les voitures que j'ai eues jusqu'à maintenant, j'ai toujours essayé de les prendre en 4 roues motrices. Et c'est vrai que ça m'a quand même peut-être sauvé la vie au moins 2 ou 3 fois, ce qui est à la fois peu et beaucoup. En tout cas, depuis qu'on habite à la montagne, je fais vraiment l'apologie des 4 roues motrices parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Et si vous avez 4 pneus neige et un 4x4, vous sortez à peu près de toutes les situations. J'ai jamais mis une seule fois les chaînes depuis qu'on habite ici. J'espère que j'aurai pas à le faire avec le transporteur, mais bon, évidemment, pour l'instant, j'ai pas vraiment pu tester l'efficacité de ce système 4Motion, mais normalement, on devrait pas être déçu. Alors, quelque chose qui est tout à fait époustouflant dans le T6.1 également, c'est l'éclairage.
Il se trouve que j'ai la chance d'avoir un véhicule qui est équipé en full LED. C'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Surtout sur les petites routes de montagne qu'on peut avoir par ici en Haute-Savoie. Et surtout aussi quand on commence à vieillir un peu et que effectivement on fatigue beaucoup plus vite pour ce qui concerne la conduite de nuit. Là avec le T6 c'est juste incroyable quoi. Alors là on a une zone sur laquelle il n'y a vraiment aucun éclairage public. Donc là je suis en feu de croisement et déjà on voit plutôt super bien. Puis si je mets les pleins phares, alors là vous voyez ce que ça donne, on est véritablement comme en plein jour et là on voit très loin devant avec une lumière vraiment blanche et qui permet de particulièrement bien cerner les bords de route, ce qui fait que on est absolument dans un confort total. Et bon voilà, je pense que vous avez compris hein.